Bonjour, alors cette petite vidéo pour vous montrer comment dézipper vos fichiers avec Windows 10 ou Windows 11. Donc je crée au préalable un dossier sur mon bureau que je nomme comme je veux. Là j'ai mis mon fichier broderie, donc vous mettez le nom que vous voulez, mes broderies, etc. Une fois que ce dossier est bien enregistré sur votre bureau, vous allez chercher vos dossiers que vous avez téléchargés. Donc dans Téléchargement, voilà. Donc je vais prendre celui-ci. Donc là il est zippé, hein, il y a la petite fermeture éclair dessus. Si je l'ouvre, je vois mes fichiers taille compressée ici avec le ratio. Là mes fichiers ne sont pas dézippés. Alors si je prends par exemple mon fichier EXP et que je le mets sur ma clé USB directement ici, risque de ne pas bien correctement le copier puisqu'il est compressé. Donc il faut que je décompresse ce dossier. Donc je retourne sur téléchargement. Et là, je fais, au lieu de l'ouvrir, je fais un clic droit. Extraire tout. Alors sur Windows 10, je crois que c'est noté extraire vert. Bref. Donc je clique sur extraire tout. Ça m'ouvre ce dossier. Et ça me demande où est-ce que je veux extraire ce dossier. Donc je fais parcourir, parce que là, ça va me le mettre ici, mais moi, je ne veux pas. Donc je fais parcourir. Et là, je cherche sur le bureau mon fichier broderie. Il est donc ici. Je fais sélectionner ce dossier. Voilà. Maintenant, il se met bien ici. Et je fais extraire. Voilà. Donc, comme j'avais déjà fait tout à l'heure, je fais remplacer les fichiers de la destination. Voilà. Donc, maintenant, la différence, c'est que maintenant, voilà, la taille est décompressée. Et maintenant, je peux prendre mes fichiers et les copier sur ma clé USB pour les mettre sur ma brodeuse. Voilà. J'espère que vous avez bien compris faire la différence entre là où c'est décompressé et si je clique comme ça, là ce n'est pas décompressé, c'est marqué taille compressée. Voilà, bon courage!